Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, première journée complète à Tomorrowland. On est assez fatigué de la soirée qu'on a passée hier, mais ça va le faire quand même, c'est cool. Là, il est bientôt midi et demi, donc on s'est levé assez tard, on s'est préparé. J'ai fait le montage du vlog que vous avez déjà vu normalement, qui est sorti hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit, vous pouvez cliquer pour aller le voir. N'oubliez pas de faire ça, c'était donc le premier vlog à Tomorrowland. Et donc là, aujourd'hui, première vraie journée ici sur le festival. Donc on va profiter, je pense qu'on va aussi aller faire un peu de luge aujourd'hui. Il y en a qui ont eu la motive ce matin d'aller faire du ski. Nous, je vous avoue qu'avec Jordan, Jordan a dormi. Moi, je me suis réveillée un peu plus tôt. J'ai fait mon vlog. Et là, on galère encore à le poster. C'est une vraie plaie. Parce que la connexion ici à l'Alpe d'Huez, les gars, c'est une grosse blague. Donc là, on va descendre manger. Ensuite, on va prendre nos petites affaires et faire un tour sur le festival. Et voilà. Ça va, Jordan? Ouais. Oh non, ça a pas l'air. Un peu fatigué. Ouais, je pense qu'on est tous un peu fatigués. La nuit était courte. La nuit a été plutôt courte. Et en termes d'outfit, j'ai laissé tomber. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter. Je vais mettre du coup mes moonboots tous les jours. Et même à Lyon, je pense que ça va devenir ma tenue favorite. On est tellement bien dans les moonboots. Tellement bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, et bien, c'est parti. Allons manger, j'ai très faim. Bon, ça y est, on a fini de manger, on a mangé de la raclette. On a un peu grave abusé. Et là, on va rejoindre les autres qui étaient sur les pistes de ski ce matin. Je crois qu'ils sont toujours en train de manger. Et ensuite, on va prendre le télésiège pour aller à la Folie Douce. Et ça va être très très cool. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans ma chambre. Oui, c'était très drôle. J'avais bien tourné la porte, tu l'avais rempli, il est rentré. Ah non, ma caméra. Et qu'est-ce que t'as, Anna? Pourquoi tu râles? J'ai oublié ma caméra. Oh la merde. Je vais pas tenir. J'ai oublié mon stabilisateur. Oh là là, c'est vlogueur en carton. J'ai toujours pas commencé à vlogger. On est à un jour et demi, j'ai toujours pas enregistré la moindre image. Oh mon dieu, j'ai oublié ma dignité. Ça me casse les pieds. Bah, vous avez compris, du coup, c'est moi qui vais me taper les vlogs avec Antonin aussi. Oui. Heureusement. Je te jure, j'aimerais tellement qu'on fasse un jingle pour ton truc là. Mais même toi, t'as pas de jingle, t'as ton petit dessin, mais t'as pas de. Pour les vlogs Mars? Ouais, non, mais parce que toi, en fait, t'as une série de vidéos, pas pareil, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien. Ouais. Faudrait que je trouve genre une série à côté, that's tu vois. Mais t'as déjà une série avec le truc que t'as fait avec Thibaut InShape, non? Ah oui, oui, tu oui. Tu comptes oui. faire plusieurs oui. épisodes. Oui. Spoiler. Mon livre est tellement beau. Putain, bah voilà. Bon les gars, je vois rien sur mon écran. Là, on est en train de descendre les pistes. C'est la première fois qu'on sort de l'hôtel, il est 15h. On va aller prendre le télésiège pour aller à la Folie Douce. Histoire 2, et ensuite on va redescendre sur la main stage pour aller voir Henri qui joue. Putain, les mecs ils vont comme des malades sur les pistes là. J'ai peur de me prendre des skis dans la tronche. Et c'est la première fois que je prends le télésiège. Je suis vraiment. J'aime pas le vide en plus, ça va être sympa. T'es sûr que c'est ce télésiège ou Henri? C'est pas celui-là là-bas? Non, c'est que c'est celui-là. Hein. Imagine, on reste bloqué dans le télésiège. Arrête, va pas faire un mix débronzé là. Non. Genre là, on bute notre bracelet pour passer dans le télésiège. Guys, la première fois. La première fois en télésiège. Oui. Guys, ah ouais, c'est bien. J'ai peur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas comment on prend un télésiège. Mon dieu. On n'a pas bu d'alcool en plus. Je vous décale les armes. Marie, tu m'as tué, tu voulais. Elle a couru pour prendre ce lit de l'avant. La meuf qui a pas compris. J'adore. Oh merde, non, j'ai peur. En fait, c'est pas du tout rassurant le télésiège. Si, tu ah vas voir. Merde. Putain, personne fait tomber son téléphone ou sa caméra, tu vois, c'est pas. J'ai la flemme de mettre tous les hashtags, tout ça. Putain, j'ai toujours pas mis les hashtags. C'est la première fois du château. Elle est, ah, elle mais est, c'est pour ça. Elle est pas restée en fait sur notre rang à nous. Oh, elle pardon. Il fallait qu'elle court. C'est pas grave. Celui devant. C'est pas grave. T'inquiète. Regarde devant. Tu vois? Hop là. Thank you.
train de jouer à Tomorrowland là. Le problème donc c'est qu'il y a tellement de monde qu'on peut pas rentrer, donc pour l'instant on va aller se balader. Je sais qu'il repasse, c'est le quatrième jour, donc il faudra absolument qu'on aille le voir parce que j'adore ce mec. Et là du coup qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir Henri. Henri, Henri. Voilà, on va aller sur la main stage et il fait un froid les gars aujourd'hui. Pépite. Ah là là, on est les deux seuls survivants. Grave. Tout le monde est rentré à l'hôtel, nous on a fini de regarder Henri. Là du coup on va marcher un peu. On va faire une petite pause et ensuite on va rester ici parce que à 20h c'est Afrojack. Et après, le mec j'étais sûr qu'il allait faire un truc comme ça. Hein, et après ce soir c'est DJ Snake. Il a bugué de ouf. Ouais, il a grave bugué. Le mec il a vu une caméra, il s'est dit vas-y je veux faire une photo vidéo. Putain les mecs, le son est ouf. On est éclaté, franchement j'ai fait mon cardio pour la semaine. Et il reste encore 2 ou 3 jours. Il reste encore 3 jours. 3 jours de boum 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 boum. Non ça va, 2 jours. Bon, après cet après-midi fortement chargé, je commence à être un peu malade, j'ai mal à la gorge. On vient de rentrer à l'hôtel vite fait pour retoucher les photos qu'on a postées sur Insta aujourd'hui. Henri PFR c'était le feu, franchement c'était trop bien, il mixe tellement bien, c'était grave cool. Et là du coup on est rentré pour se réchauffer un petit peu, pour aller dîner et ensuite on va retourner du coup sur le festival. Puisque ce soir il y a Afrojack et DJ Snake qui passe sur la main stage, donc ça va être le feu, ça va être trop trop bien, j'ai grave hâte. Mais on va bien s'habiller parce que je vous assure que là, tempête de neige, il fait vraiment froid, je pense que je vais prendre mon écharpe. Tu sais, parce que là j'ai vraiment froid, genre vraiment. Donc on finit de bosser, on va descendre manger et ensuite on va retourner dans la chambre pour se remaquiller un peu. J'aimerais bien genre mettre des paillettes, des glitters et puis ensuite on va repartir sur le festival. Je suis quand même assez choquée de voir que mes cheveux ont réussi à rester lisses aujourd'hui avec la neige qu'il y a eu. Mais bon c'est cool, donc voilà, dès que Jordan a fini de poster, enfin de retoucher sa photo, on va aller manger, j'ai trop la dalle. Moi je retouche jamais. Bon ça y est, on est parti, on va partir en tout cas pour Tomorrowland. On a fini de dîner rapidos et là on va partir. Comme je vous le disais, là tout d'abord on commence par Afrojack et ensuite DJ Snake et ensuite on va rejoindre Henri, donc Henri PFR qui a mixé aujourd'hui, on va le rejoindre et peut-être finir la soirée avec lui parce qu'il y a Lost Frequencies qui joue dans une boîte, donc on va voir, on va essayer, ça va être le feu. Du coup comme hier je laisse ma caméra ici et je prends mon téléphone pour éviter de perdre ma caméra et de me faire trop emmerder. Et oui j'ai les lèvres blanches, oh mon dieu les feux d'artifice. Mais truc de ouf quoi. Aujourd'hui programme assez cool. Hier on est rentré tard, bah, comme à peu près tous les soirs j'ai l'impression ici à Tomorrowland. Là on va aller manger parce qu'on a bien faim. Jordan est en train de ranger encore une fois sa valise. Oui. Oui. Il a fait son tas aujourd'hui, regardez comme il est beau. Ouh. Ouh là là. Look at that glow. Ouh là là. Bref, on va aller manger parce que là il fait faim. Et ensuite on va aller faire du ski. Non, on va pas faire du ski, on va faire de la luge d'été. Donc ça va être très cool, ça va être fun. Et puis ben voilà, c'est tout hein. Puis après ce soir on retourne au festival et puis voilà. Mais déjà raclette. Manger. J'espère qu'elle a raclette. 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 Encore faut-il qu'il y en ait. Raclette. 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 Allez, here we go. Alors, je vais reprendre la chaîne, du coup elle va changer de nom. C'est terminé, Marie ne maîtrise plus. En fait,
Tomorrowland jour 3, c'est dur. Là, c'est dur. Qu'est-ce qui va être le jour 5, hein? Non, arrête. Demain, c'est le dernier jour, hein. Ah ouais, putain. Eh oui. C'est passé vite. C'est passé trop vite. J'aime trop, je me sens... Je me sens toi. Alors, le programme, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, Marie est en train de se préparer, on va bouger après. On va aller faire de la luge. De la luge d'été en plein hiver, en fait. Je sais pas si c'est de la luge d'été ou il m'a dit du bobsleigh. Bah, c'est de la luge sur rail, en fait. Mais je sais pas, j'ai rien compris. C'est de la luge sur rail, donc en fait, c'est apparemment, on peut sélectionner la vitesse et ça va plus ou moins vite, c'est ça? Je sais pas, ouais, je crois. Mais, ouais, mais ouais. Vu le temps qu'il fait, ouais. On va rigoler parce qu'en fait, genre. Attendez. Franchement, c'est très chaud là. Genre. Mais ça se met pas. Vous voyez, il fait très gris, en fait, il y a la neige qui va arriver dans pas longtemps. Donc, c'est la merde. Ah ouais, là, franchement, c'est la marre. C'est la marre. Alors, que faites-vous, mademoiselle Lopez? J'essaie de lisser la tignasse qui me sert de cheveux. Ça, c'est putain glowy, hein. Je sais qu'il a envie de vous raconter pourquoi je vais teindre glowy, donc en fait, je vais le laisser vous raconter. Non, parce que... je l'ai pas raconté, en plus. Quoi? Je comptais pas le raconter, je trouvais juste que ton teint il rendait bien à l'écran, ça faisait joli. D'accord. Mais du coup je peux la raconter? Bah oui, vas-y maintenant. Alors, vous voyez cette petite poudre? C'est une poudre Laura Mercier. Et Marie, merde, ça enregistre plus. Ah si. Chelou, bon bref. Et du coup cette poudre, je me suis fait le teint et j'avais envie de... Je voulais me repoudrer un petit peu. Et je prends la poudre de Marie et je dis elle est vachement foncée ta poudre. Elle me dit ouais t'as vu je la trouve foncée. En réalité chez Laura Mercier il y a deux types de poudre. Il y a la poudre mat et la poudre glow. Qui en fait est une sorte de presque highlighter qu'on met que sur certaines zones. Et elle se tartinait le visage avec en pensant que ça allait la matifier. Du coup elle a des paillettes sur la gueule depuis deux jours. Je vous jure que je suis fatiguée. J'en peux plus. Et j'étais là putain je comprends pas pourquoi j'ai des paillettes sur mes fringues. C'est ça et c'est pour ça que ça a attaché aussi ton pull. Ça a attaché mais tout. Ça a attaché son pull et tout à l'heure on était à table et elle me fait mais c'est bizarre j'ai de la lighter dans les deux mains. Mais oui dans les deux mains genre. Mais en fait, c'est sa poudre. Voilà, c'était la petite anecdote avec Friends à côté voilà. De cette générique. C'est fort, hein? Ouais, c'est fort. Bon. Bon alors... Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Mais non, mais je cherchais mon mascara. Mais moi, je suis pas un vlogueur, hein. T'as pas remarqué que j'étais censé vlogger depuis le début de ce week-end? On est troisième jour, j'ai rien vlogué. Moi, je vais rester en survêt, je crois. J'assume plus, là. Mais je suis très blanc, là. J'aime pas du tout. On voit mon petit highlighter et tout, j'aime trop. Oh là là. Bon allez, on la laisse hein, terminer de se préparer. Et on vous retrouve à la luge, à tout de suite. Allez hop, mouvement. Saucette. Qu'est-ce que tu veux? On met des saucettes. Par contre, ouais, je peux pas mettre un pantalon de ski plus des moon boots, hein, ça marche pas, regarde, y'a un problème. Ah, bah si, tu mets le pantalon par-dessus ou à la moteur. Non, regarde, y'a un problème. It doesn't work. Mais si, là, c'est bien celui-là, là. Mais ça marche pas du tout. En plus, je perds ma saucette. Tu perds ta saucette? Non, mais je te jure. Non, mais par contre, c'est pas possible. Hein. Mais si, la jambe. Attends, mets-toi face à moi. Non, mais y'a un problème. Hein. Mets-toi face à moi. Je suis face à toi. Et bah, la jambe. Attends, je vois plus. Bah, celle-ci, elle est bien là. Celle de droite, enfin, ta gauche. Mais je perds ma saucette. Elle marche pas celle-là. Pas avoir le ventre. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui conduit la luge et il y a quelqu'un qui a un casque de réalité virtuelle. Ça va être nimble. Jordan, qui commence à conduire? Moi, je teste la VR en premier, je te dis si ça te rend malade ou pas. D'accord, vas-y. Fais ça. On et fait si ça. Si ça te rend malade, comme ça, tu fais pas. Très bien, j'ai froid. Bon les gars, on vient de se réveiller d'une sieste, il est bientôt 18h, on a dormi genre 1h30, 2h, faut que je rattrape mon make-up. Ouais toi t'as pas beaucoup dormi, moi j'ai un peu plus dormi parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc du coup là, l'idée c'est qu'on se reprépare vite fait pour partir du coup sur le festival à 19h, parce qu'à 19h il y a Martin Solveig qui joue, donc ça c'est vraiment cool, j'ai envie de le voir, j'ai jamais vu jouer Martin Solveig, donc c'est vraiment cool. Et après Martin Solveig, c'est Armin van Buuren qui passe, donc voilà, ça va être cool. Sauf que, faut que je vous montre le temps qu'il fait dehors, genre, voilà. Temps de... merde. C'est la catastrophe. Là, c'est un coup à se les cahier vraiment, vraiment, vraiment bien, donc je sais pas trop comment on va s'habiller. Mais je pense que là, les moon boots ne suffiront plus, voilà. We'll be right back.
vous retrouve beaucoup d'heures plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, vous avez dû le comprendre, les vlogs ont été collés et mis ensemble parce que j'avais pas assez de contenu pour faire jour à jour, plus les problèmes de connexion, plus... Je me suis dit que c'était plus judicieux de faire un vlog au commun pour les jours à Tomorrowland, donc du coup les vlogs reprendront à la normale en fait quand je rentre, c'est-à-dire demain. Donc là, Jordan m'a fait un petit genre... Petit, j'adore le mot petit. Un gros make-up que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos quand la vidéo sera sortie. Pour le look un peu, festival. C'est le dernier jour aujourd'hui qu'on passe à Tomorrowland. Donc là, on va bien se faire plaisir. Hein. On va kiffer. Regardez, lui aussi, il est maquillé. Oui. Et donc voilà. Bon, écoutez, je vais encore une fois vlogger avec mon téléphone. Beaucoup plus simple, beaucoup plus safe. Et c'est parti, on y va. Tu es prêt, Jojo? Oui. On y va. Regardez le bordel sur le lit. On part demain, c'est juste l'angoisse, il y en a partout. Eh ça va? Bon, c'est un peu la galère pour remonter. Allez! Elle est là, Astrid? Elle est là, allez, Astrid! Allez, Astrid! Allez, Astrid! Allez! Allez, Astrid! Allez, Astrid! Allez!